C'est pas... Oh, poisson. Oh, c'est ma gueule. Oh, c'est gros. Oh, mais il était pas... Yes. Bien, ma gueule. Poulet, yo les poulettes. Bon, aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc en off, il y a Guillaume. Et bonjour à lui, parce que ça fait très longtemps qu'il m'a pas suivi sur, sur une session. J'espère qu'il va y avoir du poisson. Enfin, c'est surtout ça le truc. En fait, là, c'est un objectif qu'on a. C'est vraiment qu'il passe dans une vidéo, voilà, où il y a de l'action, quoi. Voilà, un peu de poisson, un peu de touche, des machins. J'espère que je vais avoir assez de batterie. Bon, a priori, ça devra le faire, mais la place sur la carte SD risque de manquer un peu. Donc, on va faire ce qu'on peut. Je vous garantis pas qu'il va y avoir du poisson puisqu'il fait super froid, mais ça peut les réveiller, justement, les brochets, parce que là, voilà quoi, c'est clair, on va pas chercher les perches avec ce genre de machin. Et on va commencer par un secteur que je connais bien. Après, on va peut-être bouger, on va voir. Allez, bougez les potes, c'est parti. Et problème de GoPro, c'est bon, je commence à en avoir un peu plein le dos. Bon, je commence à en avoir un peu l'habitude maintenant, mais voilà quoi, faut piger le mécanisme, Michel. Bon. Ah. Y'a rien là. Oui, oui, non. Dégage. Putain. Ça va mal nager. Mais vraiment flashy, je veux dire un truc pas le pic de rose quoi par exemple. Tu vois? Ou alors un vert mais bien pétant. Pic de vert, pourquoi pas ouais. À tes souhaits. Très bien. Oh, t'as vu la bordure? Il y a un truc qui a bougé. Ouais. Là-bas, il y a l'air d'y avoir de la compagnie. Regarde derrière. Je m'amuse avec un brochet, sans déconner. Putain, allez, dégage. C'était royal.
Vous avez là, en fait, c'est un leurre flottant, en fait, en soi. Et du coup, ce que j'aime pas ici, c'est que là, si le brochet arrive derrière lentement, eh ben, il va devoir arriver au bord. Parce que là, le leurre est flottant, donc il va devoir. Surtout que tu dois mouliner tout le temps, parce que sinon, il reste en surface. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite poire de chez Certes. Je sais même plus si ça existe encore, cette poire-là. Généralement, c'est connu, c'est les leurres Gunky qui le plombent comme ça. Du coup, hop, mettre ma petite poire là. Et comme ça, et ben, ça va plomber un tout petit peu vers le bord. Et comme ça, et ben, non seulement ça lance plus loin, mais en plus, ouais, faut faire une limite attention. Et comme ça, ça nage. C'est une première pour moi parce que je ne l'ai jamais fait. Une première. Donc bon, il faut essayer. Si je fais un brochet comme ça, eh ben je serai content. Allez, par contre là, il y a de la merde. Il y a un peu de merde. J'ai ma petite idée.